mais voilà, je sentais quelque chose. Et je sais que voilà, on peut avoir un contact avec Dieu parfois différent, et j'avais voilà, parfois le soir ce contact avec lui. Je m'étais dit, si un jour il y a forcément quelque chose de plus juste ou de plus vrai, et si un jour j'ai la chance de pouvoir toucher à ça. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن. بالقرآن اهتديت. بالقرآن اهتديت، في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله، نور الحنان Salam. Donc je m'appelle Barbara, j'ai 24 ans, donc je suis française et je suis d'origine de Lille. Je suis étudiante en master de sociologie et développement social, et je suis musulmane depuis 3 ans. التقينا مع باربرا في مدينة ليل بفرنسا وهي هناك للدراسة. ترعرعت في إحدى قرى شمال فرنسا ولم تسمع عن الإسلام شيء. La religion chez mes parents c'était peut-être plus fashion victime, donc les vêtements etc. Donc on parlait pas trop de voilà de religion, de spiritualité. Le Dieu n'était pas trop présent. Et mais j'ai toujours eu un lien avec Dieu, voilà, sans voilà forcément savoir ce que c'était, mais voilà, je sentais quelque chose. Et je sais que voilà, on peut avoir un contact avec Dieu parfois différent, et j'avais voilà parfois le soir ce contact avec lui. Je m'étais dit, si un jour il y a forcément quelque chose de plus juste ou de plus vrai, et si un jour j'ai la chance de pouvoir toucher à ça. القرب من الله سبحانه وتعالى له لذة خاصة لا يستشعرها إلا الصادق مع الله سبحانه وتعالى. تأثرت بربرة جدا من رحمة الله سبحانه وتعالى عليها بأنه اختارها وهداها إلى الإسلام. En fait, quand ensuite je suis arrivée à Lille pour faire mes études supérieures, j'ai emménagé dans une colocation et il y avait une étudiante étrangère qui était marocaine, mais qui voilà, qui vivait pas l'islam, on n'en a jamais parlé, ça n'a jamais été un sujet de conversation. Elle vit vraiment de la manière occidentale, donc c'était absolument pas. Donc j'ai pas connu à travers elle. Mais une fois, elle m'a dit voilà, je te propose d'aller chez mes parents au Maroc pendant 2 semaines. Voilà, logé, donc nourri, et voilà, en tant qu'étudiant, les billets sont pas chers, donc on est parti. Et c'est en partant là-bas que je me suis pris une claque et je me suis dit waouh. J'ai rencontré autre chose en fait, comme si on débarque sur une autre planète. تقول باربرا أن الإعلام دائما يشوه صورة المسلمين، ولكنها عندما ذهبت إلى المغرب اندهشت من تعامل أهل المغرب وطيبتهم وابتسامتهم اللي ما تفارقهم أبدا. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit ben maintenant il est temps que je me fasse ma propre opinion, mais voilà. Parce que j'ai des préjugés, donc il faut que je puisse me faire ma propre opinion en ayant un regard, voilà, en ayant pris du recul. Mais ma démarche était vraiment par curiosité, quoi, uniquement par curiosité. Et donc quand
quand j'ai commencé à lire le Coran, à étudier, donc je me suis dit vraiment il faut que je le lise. Et j'ai commencé à réécrire les versets en français. Et je me suis dit il faut vraiment que je prenne du recul et que je le lise pas avec mes préjugés, mais vraiment avec en essayant d'avoir un œil nouveau. Donc, et ça pendant 6 mois. Et لم تكن 6 أشهر سهلة بالنسبة لبربرة، فقد قرأت ترجمة القرآن بشكل عميق ودقيق، وبحثت عن الشبهات والرد عليها، واكتشفت الجانب الآخر من شخصيتها. إنها بربرة المؤمنة بخالقها. J'ai surtout lu le Coran en fait. Ça a été vraiment, j'ai vraiment essayé de lire et de comprendre. Et moi, je viens d'une culture chrétienne, enfin catholique. Et dans la religion catholique, très tôt, il y avait beaucoup de choses que je ne trouvais pas cohérentes ou logiques, donc je m'en étais écartée. تذكرت تلك الأيام التي قرأت فيها القرآن لأول مرة، وتذكرت كيف كان الله يخاطبها مباشرة. إنه شعور جميل وبنفس الوقت مؤثر. Justement, quand je lisais le Coran, je suis quelqu'un en général d'assez forte qui pleure très rarement, qui sait prendre les épreuves et voilà même prendre les autres avec moi pour les aider. Et quand j'ai lu le Coran, j'ai eu la même sensation que quand je demandais de la vérité ou voilà, d'être rapprochée de ça ou que si j'avais cette vérité, je ferais partie de ces gens-là. Quand je lisais le Coran, j'avais cette sensation vraiment que en fait, qu'il y avait un sens et que j'appartenais à Dieu. Et voilà ce que je ressens. Et ce que je ressens maintenant, voilà, c'est qu'on lui appartient et c'est qu'à lui que j'appartiens et que c'est une sensation énorme et que on peut être très riche ou puissant, mais sans lui on n'est rien. Et je pleure rarement, c'est vraiment, mais c'est quand je reparle de ça, j'en parle rarement parce que c'est quelque chose qui me prend vraiment et c'est. Je sais que sans mon Seigneur, je suis rien, que j'ai pas. Que si, je sais pas à l'heure actuelle, si j'étais pas devenue musulmane, il y aurait aucun sens dans ma vie, qu'il y aurait pas. Subhanallah. يعني أحيانا لما أجلس مع هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام أشعر بأننا نحن مقصرون تجاه هذا الإسلام. أقول ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ يعني سبحان الله، بنت في هذا العمر عمرها 24 سنة عندما تتذكر كيف دخلت في الإسلام وكيف هداها الله سبحانه وتعالى تشعر بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بأعظم نعمة على الإطلاق، وهي هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها، وهي نعمة الإسلام العظيمة. لماذا نحن لا نشعر بهذه القيمة؟ وماذا نقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي تعب واجتهد حتى نشر هذا الدين، ونحن ديننا لا يتعدى حدود منطقتنا ولا يتعدى حدود دولنا؟ متى نوصل الإسلام إلى هذا المكان؟ نحن مسؤولون والله أعلم. لما اشتكى جوف الظما، لما بكى جفن
حزني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتدي برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي. C'est bon, après dans la pratique entre la culture, les traditions, etc. Donc on voit l'application, voilà, en France elle n'a pas forcément la place qu'elle devrait avoir et que l'islam lui donne en fait. Mais non, l'islam en lui-même donne une place très importante à la femme et qu'elle lui donne, qu'elle est complémentaire avec l'homme et que sans elle, voilà, il n'y a pas un tout. Donc. بسبب تقصيرنا في نشر الإسلام والسبب الرئيسي بأن الإعلام الغربي يشوه صورة الإسلام كانت من أكثر الشبه التي أثرت على بربرة بأن الإسلام يضطهد ويظلم المرأة. ولما فتحت المصحف وجدت سورة كاملة باسم النساء. Il y a un verset en particulier, c'était parce que au départ quand je me suis intéressée au Coran, je me suis dit je vais commencer par là où il y a le plus de polémiques, c'est les femmes. Donc j'ai lu la sourate les femmes et à un moment donné c'est le verset 82 il me semble où justement il explique qu'on voit qu'il y a des contradictions hein, forcément dans les autres écrits donc qu'il y a pas que si on lit le Coran voilà qu'il y a pas donc فعلا لو كان هذا القرآن من البشر أو من عند غير الله سبحانه وتعالى لوجزنا فيه التناقضات. لو كان هذا القرآن من البشر لما وجزنا علم الغيب الذي تكلم عنه الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا القرآن من عند غير الله سبحانه وتعالى لما وجزنا قصص الماضي التي تكلم عنها القرآن، بعكس ما نجد في الكتب السماوية المحرفة التي نجد فيها كثير من التناقضات. آي من القرآن لها بروحي صدى وفاضت العينان تجيب ذاك النداء ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى وفي ليلة من الليالي جلست أمام أوراقها التي كانت تبحث وتقرأ فيها على ضوء الشموع. قالت لنفسها ألم يأتي الوقت للنطق بالشهادة؟ فتوجهت مباشرة في صلاة الظهر إلى المسجد القريب منها ودخلت في وقت الصلاة. J'étais pas voilée en jean, je suis rentrée et je dis voilà, moi je veux parler avec l'imam, je veux voir comment ça se passe. Et je suis rentrée, je suis allée directement parler avec un frère, pour moi qui était l'imam. Je suis bien tombée, c'était l'imam. Et j'ai commencé à lui raconter que voilà, je veux me convertir, que je suis intéressée, etc. Et Alhamdoulilah, il a été très patient et très gentil. Il m'a regardée, voilà, il m'a écoutée. Et après, un autre frère est venu à côté de moi et m'a dit oui, c'est bien l'imam à qui tu parles, mais il parle pas un mot de français, donc il vient de rien comprendre ce que tu viens de dire. Donc ça faisait 10 minutes que je parlais en fait à quelqu'un, donc très patient, qui m'a pas interrompu. Et donc ensuite il m'a dit voilà, ben tu reviens, parce que c'était mercredi, il m'a dit tu reviens dans deux jours, vendredi. فعلا ذهبت بربرة إلى صلاة الجمعة وهناك أمام الجميع نطقت بالشهادة وأعلنتها بربرة مدوية بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فعلا إنه شعور
لا يوصف أبدا. On peut pas c'est indescriptible, il y a pas c'est on peut pas comment dire être un être humain complètement tant que on n'a pas ce lien avec Dieu, tant qu'on n'a pas cette sensation qui nous prend et voilà qui fait qu'on est complet et pas juste voilà des coquilles vides à la recherche de matériel ou d'un sens à la vie. Là, les choses elles deviennent évidentes. Il n'y a plus. Je sais pas comment. C'est juste indescriptible cette sensation. Je pense que ça fait partie des choses qui sont à la grandeur d'Allah, qui sont tellement grandes que il n'y a pas de mots assez forts pour décrire cette sensation et ce lien. لم يكن صعبا على بربرة بأنها تبلغ أهلها في إسلامها، ولكن الصعب بأنها ترتدي الحجاب في مجتمع يرفض لباس العفة. Le souci ça a été plus tard, donc voilà un an après quand j'ai mis le foulard, où là on devient visible parce que la norme en France c'est que personne ne met un foulard sur sa tête, donc forcément ça devient un signe religieux. Et donc qui est très mal perçu, surtout que c'est péjoratif. L'islam n'a pas une bonne image ici, donc ça a été surtout avec mes parents la difficulté. Donc au départ quand ça a été uniquement la conversion, il fallait le dire, c'était rien, c'était quelque chose. Comme quoi, voilà, il faut partager, dire la vérité, ne rien garder pour soi. Je l'ai annoncé au téléphone. J'ai mis la distance de sécurité entre le nord de la France et le sud pour être sûre. Et donc j'ai annoncé au téléphone. Je dis maman, tu te souviens, tu m'as dit qu'on peut tout dire à sa mère. Ensuite, au début, on est un peu parano. La première semaine, on pense que tout le monde nous regarde, qu'il n'y a pas, mais passé deux semaines, on remarque même plus. Mais maintenant, c'est quelque chose. Parce que je le fais pour Dieu et je le fais pas pour les gens. Donc moi, j'ai mon compte. رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي وما دامعي وكياني. Comme les sœurs quand elles veulent se faire une coloration ou aller se couper les cheveux, elles vont chercher la meilleure coiffeuse, elles vont prendre du temps vraiment pour trouver la meilleure. Donc quand on a une question de religion, pour soi ou quand on veut approfondir ses connaissances sur la religion, c'est auprès d'un imam ou auprès de professeurs qu'on va le faire, parce que c'est encore plus important que sa coupe de cheveux ou tout le reste. Barbara, حريصة بعد إسلامها على دعوة غير المسلمات وخاصة الفرنسيات. Je pense que si on est dans un pays non musulman, c'est que c'est notre destin et c'est qu'on a un rôle à jouer là-dedans et qu'on n'a pas besoin de partir dans un des pays pseudo-musulmans, parce que c'est que si on est ici, c'est qu'on a un rôle à jouer en tant qu'ambassadeur de l'islam et que même si c'est difficile, que c'est une épreuve pour nous, je pense que en tant que musulman, avec ce qu'on sait, on est forcément plus responsable que n'importe quelle autre personne qui n'est pas musulman. Donc c'est une obligation pour nous, parce qu'en tant que musulman, on est censé vouloir le bien-être de tout le monde, de faire en sorte que les personnes puissent avoir accès justement à ce bien-être et avoir accès à l'islam. أصبحت بربرة الآن مسؤولة عن المهتديات الجدد إلى الإسلام وتحاول إقناعهم في دخول المسجد وتناقشهم وتبين لهم الإسلام الحقيقي بعكس ما يعرض في الإعلام والإنترنت. حتى أمنية بربرة كانت من أجل هؤلاء المهتديات. Donc mon projet ce serait de pouvoir avoir des livres à offrir aux nouvelles converties
Donc de pouvoir faire des petits paquets en fait cadeaux, donc avec plusieurs livres qui seraient bon, pour certains des outils pour commencer, comme la Citadelle du musulman ou le Coran, et d'autres qui pourraient les aider à cheminer et à approfondir leurs connaissances. Donc par exemple Riyad al-Salihin, les 40 hadiths de Nawawi. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت. أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني، أسير بدرب القرآن.